Des artères pour la plupart du temps éclairées par ces phares des voitures et autres moyens roulants, bien qu'étant dotés de lampadaires. Ils ont été installés avec la construction de ces infrastructures routières. Ils ont fonctionné pour un bref moment. Le reste du temps, ils ont servi d'ornement pour ces voies. Mais depuis peu, ces lampadaires retrouvent leur vraie fonction, celle d'éclairer la cité et réduire les cas d'accidents. Avec les lampadaires là, bon, ça circule, les, bon, ça sécurise. Bon, là où il y a les obstacles, comme on, les voleurs, les bandits restent avant là, bon, tout est éclairé correctement. Carrefour Les Trois Banques, As, Place des Martyrs, Aéroport, Avenue Stémèse, Avenue de l'Homme, Carrefour d'Antokpa, tous ces coins et rues de la ville de Cotonou retrouvent leur vraie beauté la nuit. Sur le lampadaire là, c'est très bon, c'est joli à voir. Vous voyez, parce que maintenant on est clair partout. Tout est partout, tout est clair, on voit clair, on voit correctement. Il n'y a rien maintenant qui nous gêne. C'est bon, mais il y a encore des autres côtés qui n'ont pas de lampadaire. Donc on a qu'à essayer de faire de l'autre côté aussi. Aujourd'hui, tu peux reprendre un mets tombé par terre et le manger sans gêne. Surtout le balayage des rues, j'ai beaucoup apprécié et la ville devient propre. L'obscurité laisse place à la clarté, la peur de ces conducteurs de taxi moto dissipée par ces lumières. Moi, je peux dire que bon, maintenant, là, c'est plus bon qu'avant parce que le voie, c'est bien éclairé. Bon, tu peux garer même au bord de la voie sans avoir crainte de rien. Mais avant, bon, il y a certains endroits, bon, quand tu pars, bon, tu es un peu peur, quoi. Pour que les gens te menacent, bon, les arts de choses, quoi. Mieux, ces espaces verts aménagés à l'entrée du marché Misebo et à Ruiho viennent donner un coup d'éclat à la beauté de la cité, des espaces dotés de bancs publics déjà occupés par ses concitoyens. Vraiment, c'est une bonne idée que le chef de l'État a amenée. Moi, dans ma place, je le remercie beaucoup. Seulement ce qui reste, il faut l'entretien des lieux. C'est très joli. Vraiment, moi, j'apprécie. Vraiment, pour moi, là, je suis un étranger. Bon, en tant que US africain aussi, je suis très ravi d'avoir les arts de choses partout en Afrique de l'Ouest. Là, on est maintenant, tu vas te poser bien correctement, sans gêne. Si tu veux parler avec quelqu'un maintenant, tu peux arrêter un rendez-vous là. Vous faites votre rendez-vous, vous posez très bien. C'est très joli. L'enchantement est partagé par tous. Mais faudrait-il que ces espaces bénéficient d'un entretien à l'image de ces poubelles pleines qui n'attendent que d'être vidées?